Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire ma petite vidéo produit que j'ai commandé sur Sephora.com plus ELF.com aussi. En fait, avec Miss Coquelicot Nathalie, on a passé cette commande, enfin c'est elle qui a passé la commande. Et puis moi, elle m'a demandé si je voulais prendre des produits. Donc ça a été assez long parce que le colis ELF s'était perdu. Donc il a fallu, Nathalie a dû envoyer un courrier parce qu'elle avait toujours pas reçu le colis et donc il s'était perdu. Ils lui ont renvoyé un autre colis et en fait le premier colis qui avait été perdu est arrivé plus tard. Donc en fait elle a reçu les produits en double, donc c'était super. Et puis, mais ce qu'il y a, ça a pris beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer un petit peu donc, ce que j'ai commandé. Donc merci Nathalie pour avoir passé cette commande, c'était super, c'est très gentil. Alors, j'ai commandé. Alors déjà chez ELF, j'ai commandé des petits pinceaux. Alors plutôt un gros pinceau qui se présente comme ça. Donc c'est un pinceau, je pense que je vais. Que je vais utiliser pour mettre de la poudre pour mon anti-cerne là. Il est assez gros donc je vais l'utiliser comme ça. Et là c'est un pinceau je vous montre ce qu'il y a de marqué sur le paquet. Voilà comme ça. Voilà. Donc il est assez doux, je vous en reparlerai, mais il est bien, c'est un gros pinceau, j'en voulais un gros je voulais tester quelques pinceaux ELF, c'est tout. Ensuite j'en ai pris un autre, tout le site était à moins 50%, alors déjà que ELF c'est pas cher, là c'est carrément pas cher du tout, parce que j'ai, sur toute ma commande, j'en ai eu pour je crois 120$. Et vous allez voir tout ce que j'ai donc avec les frais de port. Donc on a fait une super affaire. Donc un autre petit pinceau qui se présente comme ça. Là, il est vraiment tout petit. Et là, moi, je l'ai laissé pour placer l'enlumineur sur le coin. Voilà. Ou pour voilà, ou par là, pour estomper, enfin pour placer du. Je m'en débrouillerai. Je vais lui trouver une utilité. Après, elle m'a. Donc je voulais commander ce petit kit de pinceau qui est très 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 mignon. Je le trouve super. Alors, c'est livré avec une petite pochette qui est très jolie aussi. Elle est en simili-cuir. Elle est très. Et en fait, vous avez une fermeture éclair. Et on peut mettre les pinceaux dedans. C'est génial. Et donc, il se présente comme ça. Donc, vous avez un petit pinceau, un gros pinceau que je vais laver, que je vais mettre un brush-guard pour qu'il reprenne sa forme. Donc, un duo-fibre qui a l'air bien. Un pinceau duo fibre aussi, ça c'est pareil, ça c'est moi j'aime bien les utiliser pour les blush crème, c'est très 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 bien, j'en ai un comme ça de chez MAC. Un autre pinceau qui se présente comme ça, oui pour mettre le fard, très très bien aussi. Et un autre petit pinceau estompeur, comme ça. Voilà. Donc du coup, comme elle les a reçus en double, du coup. Elle m'a donné les autres parce qu'elle en avait déjà et je suis super contente parce qu'ils sont vraiment bien. J'adore ces petits pinceaux. Et c'est vrai que je voulais commander en fait sur Sephora. J'attendais pour passer la commande sur ELF.fr, mais il y avait beaucoup de produits que je voulais qui étaient indisponibles. Donc elle m'a dit, eh bien, écoute, si tu veux, tu passes la commande avec moi. Et sur Sephora.com, tout était disponible. Donc c'était génial. Voilà. Alors. Je fais ça. Ensuite, j'ai pris chez ELF. C'est pour ça que je voulais absolument. Il y en a deux. Bon, je vais. Ah oui. J'ai pris chez ELF. Je voulais les deux palettes blush. Donc, je sais pas si light. Attendez, bougez pas. Il y en avait deux. Donc, je voulais les deux. Et sur le site français, c'est indisponible. Donc, qui se présente comme ça. Donc, on peut déclipser les fards, apparemment. Donc je le ferai, voilà, on peut enlever les fards, voilà. Et je m'en suis servi là, et ils sont très pigmentés. Et ils s'estompent assez bien, il n'y a aucun souci. Voilà, moi je voulais vraiment, ces deux palettes, je trouve qu'elles sont complètes. Je suis très contente, je les voulais vraiment absolument. Et donc à un prix très intéressant.
Ensuite, j'ai pris tous les petits fards crème de l'ELF. Donc là, il y a un autre pinceau. Attendez, bougez pas. Un autre pinceau, un petit pinceau plat comme ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une référence? Il n'y a rien marqué. Eyeliner brush. Ils mettent pas de. Voilà, il est plat comme ça. Voilà. Des petits fards crème. J'ai pris tous les petits fards crème. C'était tout à 50%. Donc, déjà qu'ils n'étaient pas chers. Je crois qu'ils étaient à 2,50€ ou 3€, un truc comme ça. Ou 3 dollars. Je les ai achetés en dollars. Et du coup, j'ai dit, bah écoute. J'ai dit, bah, prends-les-moi tous, hein, c'est pas grave. Donc, et il me semble qu'elle m'en a mis en double, parce que comme on a reçu tout le collier ELF en double, attendez, il faut que je mette mes lunettes, parce que là, je vais pas pouvoir du tout... je comprends pas pourquoi ils écrivent aussi petit. Alors, là, c'est la couleur Popping Party. Popping Party, donc, que je vous montre. Alors, c'est pour mettre le doigt, c'est pas pratique, parce que le petit pot, il est quand même assez petit. C'est un genre de un petit violet. Hop, qui se présente comme ça. Voilà. Donc je m'en servirai ou en eyeliner ou en base. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième, c'est Ocean Boon. Alors, si je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit vraiment très petit. Ocean. Voilà, parfait. Voilà. Bon, je vais peut-être pas vous faire tester, mes doigts sont sales, j'ai pas pris de. Donc, il se présente comme ça. Bon, je vais peut-être. Puis, ça rentre pas trop avec les doigts. Ouais, c'est genre que j'ai mes ongles, ça. Ouais, avec les ongles, ça. Je peux pas vous faire de swatch. J'ai pris. Hop. Ils ont un peu de mal à fermer quand même le typo. J'ai pris Gotha, voilà, ce sera plus facile de vous montrer ça comme ça. C'est un petit doré, ouais, très joli, super joli. Hop, voilà, il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris un Pearl of Whitson, donc il se présente comme ça. Un peu irisé et Pearl. Alors, je vous montre le produit, le nom si ça vous intéresse. Voilà, comme ça, vous faites un arrêt sur image et comme ça, vous pourrez voir. Voilà, c'est un blanc irisé. Ensuite, j'ai pris 8. Je vais vous montrer comme ça parce que moi, je suis vraiment nulle en anglais. Hop! On va essayer de pas trop boucher. Voilà. Celui-là, c'est un. Il est un petit peu rosé. Ouais. Ouais, ça c'est légèrement. Très joli. Ça a l'air irisé aussi. C'est très beau. Ensuite, il y a la couleur Back to Basic. Hop. Back to Basic. Voilà, et là c'est un marron taupe qui est super joli aussi, très joli pour faire pour en base, ça va être super. Après celui-là, je ne sais pas, celui-là si c'est en double, hein, c'est donc elle me l'a passé en double, celui-là aussi là en double. Celui-là, est-ce que je l'ai déjà montré? Je crois pas. Brownie. Donc ça se présente comme ça, celui-là il est pour un brownie et il est très joli celui-là, regardez. Très, pour faire un petit smoky là, ça va être sympa. Très joli. Alors, j'espère qu'ils vont tenir assez longtemps, qu'ils ne vont pas sécher. Et là, ben là, il n'y a pas de référence. C'est un gris. Voilà. Un gris foncé. Hop. Donc je ferme. Et l'autre, je crois que je voulais montrer. Non, je crois pas.
Et là, c'est un marron, mais plus clair que celui de tout à l'heure. Je vais te voir. Ouais, non, il est plus foncé celui-là. Il est plus clair, voyez. Hop, voyez, c'est pas la même couleur. Voilà. Donc, très contente pour mes petits fards crème que je vais tester rapidement. Et il y en a un autre, là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Ah, c'est un autre prix. Par contre, les pots, je trouve qu'ils se ferment pas très bien. Si, celui-là, je vous l'ai montré. Si, je vous l'ai montré. Voilà, bah écoutez, voilà pour mes petits fards crème. Ensuite, comment je crois que c'est tout. Elle a offert à ma fille aussi un petit gloss Too Faced qui est très 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 joli. Ma commande Sephora.com, j'ai voulu avoir la petite basique 2 qui est très 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 jolie. Je me suis maquillée avec hein, quelque chose de très léger parce que je reçois ma petite soeur ce soir. Et je vais cuisiner, je vais faire un gros tagine, elle adore ça, donc ça sera convivial. Donc j'ai pris ma petite Naked basique, voilà, qui n'est pas pareil, hein, parce qu'il n'y a pas de noir là. Cette couleur c'est plutôt un gris foncé, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs en eyeliner. Et elle est, enfin moi j'adore... Et ce fard, c'est ce fard que je porte aussi là, je me suis maquillée avec, il est irisé. Celui-là, c'est un mat. Ouais. Elle est très 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 jolie. Puis j'aime beaucoup ces palettes. La première, je l'adore parce qu'elle est toujours dans mon sac. Et je les aime bien parce qu'elles sont petites. Comme ça, c'est pratique à mettre dans un sac. Si on veut partir un week-end, il n'y a pas besoin d'emmener 36 choses. Il y a de quoi se maquiller. Elle est superbe. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Et elle m'a mis des petits échantillons. Alors ça, par contre, sans... Ultra traitement quotidien, ultra crémeux. Je sais pas ce que c'est. Hein, Nathalie, tu me diras ce que c'est là, parce que je sais pas ce que c'est. Et là, c'est, je sais pas non plus ce que c'est. Solar, oh, je crois que c'est un minéral crème. Crème minérale, je connais pas. Tu m'expliqueras aussi ce que c'est. Et une autre petite crème que je connais pas non plus. Voilà. Et donc, et j'ai pris, bien sûr. Je me suis dit, on va la commander avant les autres, et puis on l'a reçue après les autres. Ce n'est pas grave. Voilà, donc la Vice 2. Pour tout vous dire, j'en ai déjà acheté une. Parce que, en fait, je voulais... J'en ai déjà acheté une. Voilà, donc celle-là, je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais la proposer pour un concours. Voilà. Donc, j'attends la fin de mon concours. Et puis, quand le premier concours que j'ai fait sera terminé, je l'offrirai parce que j'en ai déjà une autre. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour un concours. Et puis, vous avez déjà des swatchs vous avez déjà des swatchs partout. Tout le monde en a déjà parlé. Donc, et puis, j'ai reçu ma petite carte aussi de ma petite Nathalie, je te remercie. Et puis là, je promets, je n'ai pas oublié. Voilà, parfait. Impeccable. Voilà, bah écoutez, pour ma petite commande ELF et ma petite commande, alors par contre, les pinceaux, je les adore, j'ai hâte de les tester. Et ma petite commande Sephora.com. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura. J'ai oublié de vous dire, en fait, on a passé cette commande sur le site. On a passé cette commande sur le site. Acheter aux USA.fr. Voilà, donc ça s'est bien passé, hein. On a reçu les produits, il y a eu juste ce problème avec ELF, mais sinon on les aura reçus depuis un petit moment. Voilà, je vous fais un gros bisou, au revoir.